1, 2, 3, 4, 5, 6. On commence toujours avec un échauffement. Et puis, petit à petit, les exercices progressent en difficulté. À la fin, nous faisons les exercices pour, on dit cool down, c'est-à-dire c'est pour relaxation et pour se détendre. Voilà une activité qui défoule. Et que l'on fasse du classique, du jazz ou encore du contemporain, la danse a beau être physique, elle joue aussi sur le psychique. Ça me permet d'exprimer ce que je ressens sans forcément que les autres le regardent, mais moi je l'exprime au moins. Sur le coup, on a chaud, on est fatigué, mais après, c'est très étonnant, j'aime beaucoup. De 5 ans à l'âge adulte, tout le monde peut débuter la danse et pas besoin d'être un expert en souplesse, elle viendra avec le temps. En fait, dans cette activité, chacun avance à son rythme et pas question de faire de la concurrence. La compétition, c'est bien pour le sport, mais moi, je ne sais pas si c'est très, très bien pour la danse. Parce qu'on essaie de donner quelque chose de soi-même au public et on travaille en équipe aussi. Ça, c'est très, très important. Si on danse ensemble, il faut qu'on ait un respect pour les autres. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Pour moi, c'est un art. Et un art accessible à tous les porte-monnaies, comptez en moyenne 120 € pour une année de cours.